Lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai pris très fortement en considération la question du rapprochement des prisonniers, parce que dans le cadre même de la politique carcérale que j'ai conduite, j'estime que la proximité par rapport aux familles est une condition essentielle d'équilibre à l'intérieur de la détention, donc pour l'exécution de la peine, mais également pour la préparation à la sortie. Donc c'est un principe que j'ai mis en œuvre parce que lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai fait procéder au rapprochement de près d'une centaine de prisonniers. Il y en a 97, je m'en souviens bien, lorsque j'ai quitté le ministère. Donc, sur le principe, cela ne pose aucun problème. Et puis, il y a des sujets politiques par ailleurs, et ces sujets politiques, ils doivent être traités à l'échelle politique. Voilà. Moi, ce que j'ai fait en tant que garde des Sceaux, je pouvais le faire par rapport au droit commun, par rapport aux règles du code de procédure pénale et par rapport à un volontarisme cohérent avec le contenu de ma politique carcérale et de ma politique pénale. Et puis, il y a des sujets politiques qui doivent être traités à l'échelle politique.